J'ai décidé d'adapter mes paroles aux caractéristiques de ma personnalité en tant que femme américaine et juive. Avec ces trois caractéristiques, j'exprime l'image singulière du Maroc pluriel. Tout d'abord, en tant qu'Américaine, j'ai effectué ma première visite au Maroc juste après les événements du 11 septembre, après la reprise des liaisons aériennes en tant que présidente de la commission spéciale chargée du jumelage entre Casablanca et Chicago. C'est une commission qui a été créée en 1982. Avant ça, j'ai mené quelques recherches sur le Maroc. J'ai appris que c'est le premier pays à avoir reconnu l'indépendance des États-Unis. C'est une chose que j'ignorais. Elle ne nous a pas été enseignée et la majorité des personnes l'ignorent. Un jour avant les rendez-vous de mes réunions, j'ai décidé de faire un tour dans le pays. Je me suis rendue au mausolée Mohammed V et devant l'entrée, il y avait un garde armé. Il m'a souhaité la bienvenue et m'a demandé d'où je venais. J'ai été très surprise parce qu'avant mon voyage, on m'avait dit que c'était de la folie de se rendre dans un pays musulman en tant qu'Américaine juive. Vous en avez sûrement le souvenir. Après les événements du 11 septembre, il y avait de l'animosité entre les musulmans et les Américains. Pour revenir au garde armé du mausolée Mohammed V, je lui ai répondu « Je viens des États-Unis ». Il a alors levé sa main de son arme et l'a placée sur sa poitrine et m'a dit « Bienvenue dans votre deuxième pays ». Dès cet instant, j'étais la bienvenue dans les cœurs et les maisons des Marocains. C'est une histoire formidable. C'était en effet une formidable histoire. Si vous le permettez, j'aimerais évoquer les autres points qui distinguent mon expérience personnelle avec le Maroc en tant qu'Américaine et qui pourraient vous fasciner en tant qu'ambassadeur. Il s'agit de l'importance de la force tranquille. Dans le cadre du jumelage entre Casablanca et Chicago, on s'échangeait les visites avec les acteurs culturels, pédagogiques et économiques.